Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser des distributeurs automatiques dans Guerre de Dirigeables. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 0 2 4 5 9 2 3 9 2 2 6 3 8. Donc de toute façon le code sera en description, en commentaire épinglé. Je me suis trompé où là? 0, 2, 4, 5, 9, 2, 3. Ah ouais, ok. 3, 9. Voilà, c'est ça. C'est ça le code. Donc, de toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là, vous lancez la partie en public, hein, en public obligatoire. Quoique, je sais pas si c'est obligé en public. On va lancer en privé pour voir si on peut le faire en privé, mais je pense pas. On va toujours essayer parce que si ça fonctionne en privé, ce serait plus facile. Mais logiquement, on doit le faire en public. On verra bien. Donc là, vous attendez tout simplement que le jeu se lance. Et donc quand le jeu est lancé, vous appuyez sur option, menu lancer le jeu, si vous êtes en privé, bien entendu. Et je pense qu'on va pouvoir le faire en privé, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Parce qu'en public... Après, si vous êtes un bon joueur et que vous savez shoot les ennemis, ben, lancer en public, ça sera plus rapide pour vous. Mais si vous galérez un peu à tuer les adversaires, un peu comme moi, ben, vous lancez en privé. Donc là, combat, ok. Donc ici, vous arrivez sur un aérodrome. Donc regardez, est-ce que je peux voler là? Non, je peux pas voler. Là-bas, il y a les distributeurs. Alors, en fait, c'est ces distributeurs-là que vous allez devoir utiliser pour débloquer le défi. Donc là, on va aller dans la plateforme du milieu. Donc ça, c'est les bots qui nous appartiennent. Regardez, on a déjà des armes. Ce qu'on va faire, c'est aller en face, en fait. Et normalement, en face, il y a des adversaires, voilà, des gardes de l'IO, enfin, des bots. Et en fait, vous allez tuer les bots. Et regardez, hop, j'ai obtenu 5 pièces en tuant les bots. Donc hop, tuer les bots et obtenez des pièces en illimité. Donc tuer tous les bots que vous voyez. Donc là, ça me fait 20 pièces. Là-bas, il y a des bots aussi. Oh, les bots ici réapparaissent ou quoi? Je crois que les bots, ils respawnent. Donc là, je suis déjà à 35 pièces. On va tuer ceux en face. Ouais, les bots respawnent en illimité. Donc, c'est parfait. Voilà, regardez, j'ai 50 pièces. Quand vous avez 50 pièces, vous pouvez déjà aller chercher. On va tuer lui. Elle meurt. Ok, on va pouvoir aller chercher... dans les distributeurs, on va pouvoir aller chercher quelque chose. Donc là, par contre, il va falloir que j'attende que l'aéronef revienne par près de moi pour remonter dessus. En attendant, on va tuer les ennemis et pouvoir accéder au distributeur. Ok, donc je monte dessus. Là, on va attendre qu'il recule. Pour accéder aux machines. What the fuck, je suis tombé. Attends, mais si je tombe, ça me ramène où? Ah, ça me ramène près des pièces. Ben, parfait, près du distributeur, parfait. Regardez, là, il y a des armes pour 20. Des distributeurs pour 20. Essayez de prendre les trucs les moins chers. Regardez, là, il y a pour 10. Est-ce qu'il y a pour moins cher encore? Non. Non. Donc, vous prenez des poissons. Donc là, j'ai utilisé un distributeur, normalement. On va voir. Hop. Utilisez un distributeur automatique. Donc voilà, vous utilisez... Vous achetez des poissons. Ah, je peux pas l'acheter? Ah, il faut peut-être que... Ah, il faut peut-être que je ramasse le poisson là. Hop. Voilà. Parfait. Parfait. J'utilise toutes mes pièces. Et comme ça, vous voyez, les distributeurs, ça augmente tout seul. Dès que vous aurez acheté 8 objets au distributeur automatique, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.